Une fois encore, nous allons parler de la famille de Granco. Après l'évasion de la maison centrale, les forces spéciales, vous avez tous vu les descentes musclées dans la famille de Granco. Son garçon, son fils avait été arrêté. Son neveu aussi avait été arrêté. Depuis lors, la famille n'a pas de nouvelles. C'est le neveu de Granco, l'enfant à sa sœur, qui n'est pas militaire du tout. Depuis l'attaque de la maison centrale, ces innocents sont dans les mains des escadrons de Mamadi Doumbouya. Et le garçon aussi de Granco, que vous voyez, lui aussi qui n'est pas militaire, mais après l'attaque, lui aussi a été arrêté. On avait même dit qu'il est, à un moment donné, d'autres même avaient dit qu'il est mort, mais qu'il n'est pas mort. Il est détenu. Ils sont maltraités. Lui et puis son cousin. L'enfant à leur tante. Tous ces jeunes sont détenus. Ils n'ont rien à voir dans l'attaque de la maison centrale. C'est comme aujourd'hui. Demain, on arrête Mamadi Doumbouya. On arrête Mamadi Doumbouya. Ce qui veut dire les djabas là. Les djabas qu'on dit ses enfants. Donc tous ces gens-là, on doit les arrêter. Les frères de Mamadi, la sœur de Mamadi, qui part chaque fois en Guinée, sur son chantier à Yimbaya, demain, ce qui veut dire, le jour qu'on va arrêter Mamadi Doumbouya, on doit arrêter toutes ces personnes. Parce que Mamadi a tué, hein. N'oublions pas le 5 septembre, combien de soldats, même le nombre des victimes jusqu'à présent, personne ne peut donner des chiffres exacts. Il y a eu beaucoup de morts. Mais ces innocents, la famille n'a presque aucune nouvelle de ces gens. Aucun avocat. C'est-à-dire, même quand la famille essaye de prendre des avocats, parce que ce sont des innocents, qu'on le veuille ou pas, ce sont des innocents. Ils ne sont pas militaires. Ils n'ont pas de maison où ils ont caché leur papa. Ces innocents sont dans leurs mains. Ils sont en train de les torturer. Parce qu'on dit, lui, tantôt on dit c'est l'enfant chéri de Granco. Il est maltraité avec eux. Attendez, il y a un maudit ici, je vais l'enlever d'abord. Il est dans Kadin, Komara. Le maudit, il en est Ibona Life Royal. Alou dans Kadin, Soulon Balilou. Alors, attendez une minute, je vais enlever ce maudit là d'abord. Après, on va continuer le live. Voici des innocents. Je serai d'accord. C'est Verny qui a attaqué la maison centrale. Mais allez-y contre Verny. Ces innocents n'ont rien à voir. Je vous donne l'exemple. Est-ce que demain, il serait juste de voir ceux qui vont renverser Mamadi Doumbouya aller contre la maman de Mamadi Doumbouya, aller contre la soeur de Mamadi Doumbouya, aller contre Djaba qu'on monte aujourd'hui, ou bien les enfants de Mamadi Doumbouya. Est-ce que ça va être normal? Ce n'est pas de l'injustice, ça. Le jour qu'ils vont attacher Mamadi Doumbouya, allez attacher ses enfants. Qu'est-ce que ses enfants ont à voir dedans? Mais l'enfant de Granco, depuis l'attaque, ses innocents sont dans les mains de ces gens. Aucun avocat n'ose. Aucun avocat. Et même quand la famille veut prendre des avocats, ces avocats-là n'osent même pas. Le dossier, j'ai peur. Nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quelle république?
Nous sommes dans quelle république? Hein? Nous sommes dans quelle république? Ceux-là, ce sont des innocents. Ils ne sont pas des militaires. C'est pourquoi quand les gens, moi, me donnent des sujets, les femmes de Amara, les femmes de Bala, ainsi de suite, de Idi Amin, j'ai dit que elles n'ont rien à voir dans la gestion du pays. Voilà. Elles étaient mariées avant le coup d'État. Moi, je ne me mêle pas. J'ai toujours dit ça. Même quand quelqu'un a... Sur la femme de Bala Samoura, mettez les cœurs partagés. Même lorsqu'ils ont des sujets sur ces familles-là, moi, j'ai dit que je ne me mêle pas. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas du tout. Moi, ce qui me concerne, c'est Amara, Bala Samoura, Idi Amin, Doumbouya. Mais franchement, le CNRD, il faut avoir honte, libérer ces innocents. Ou bien si c'est ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de faire aux enfants d'autrui, c'est ce qu'on fera à vos enfants demain. Mamadi Doumbouya, peut-être que tes enfants seront interdits. Tout ce que tu auras construit pour eux, on va les récupérer aussi. Je vais essayer d'appeler leur sœur qui va donner, si elle arrive à prendre, qui va donner des informations. L'une des filles de Granco. Voilà, partagez au maximum, vous allez l'écouter. Bonsoir, allô? 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 Oui, vous m'entendez? Ok. Vous êtes une des filles de Granco, j'espère. Oui, 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 je suis une de ces filles. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez sur la situation de votre frère et de votre cousin? Mon petit frère, Kwekwe. Ah, lui, c'est votre petit frère. Oui, c'est mon petit frère. Ok. Qu'est-ce que, depuis leur arrestation, qu'est-ce que vous savez? Je vais prendre la parole concernant leur arrestation. Mm-hmm. Vu que moi, je ne vis pas en Guinée, c'est à travers ce que la famille m'a expliqué ce jour. Après la fameuse évasion du vieux, de notre père, il y avait des militaires qui étaient venus à la maison, les forces spéciales. Ok. Mon petit frère venait de quitter à l'école, il était couché parce que lui, depuis tout petit, il aime trop dormir. Ok. Kwekwe? Oui, Kwekwe. Donc, arrivé à la maison, lui, c'est un élève. Il n'est pas un militaire, il n'a jamais fait formation militaire. Donc, ils ont commencé à le tabasser. En tout cas, il a été frappé là-bas d'abord avant de lui faire jeter dans la voiture, dans leur pick-up. En tout cas, les règles de la responsabilité personnelle n'ont pas été respectées en Guinée. Ils l'ont pas convoqué, ils sont venus le brutaliser à la maison. Okay. Oui, ils ont venu le brutaliser, le frapper. Ils étaient au nombre de 5 et 3 personnes ont été libérées à partir de là-bas. Les 2 personnes, c'est-à-dire mon petit frère Moïse et notre neveu, notre cousin du moins, est Moïse Guilavogui. Moïse est le fils de la petite sœur de notre père. Voilà, ce dernier même ne réside pas chez nous. Il était venu faire un séjour avec ses cousins. Donc, c'est dans ça, ils ont venu les prendre tous. Sinon, lui-même... Partagez. Avec tout ça. Voilà, donc c'est ça, on dit que la responsabilité pénale est retenue qu'à l'encontre de l'individu qui a personnellement commis l'infraction. Yeah. Maintenant, vous savez, en voyant sur les réseaux sociaux, je parle personnellement, ça donne l'impression que nous sommes propices. C'est ça les gens pensent, que nous sommes propices. Mais en réalité, nous sommes dans l'inquiétude totale. On fait juste semblant de rire actuellement, on fait semblant de manger pour ne pas chuter dans la dépression, sans vous mentir. Pour ne pas chuter dans la dépression. Vraiment. Donc c'est ça qui fait que les gens nous voient des fois rire avec les gens
sur les réseaux. Mais en réalité, nous vivons dans l'inquiétude. Parce qu'on se pose des questions, on se demande, un, quel est l'état exact de notre petit frère? Parce qu'il ne communique pas, on ne lui donne pas l'occasion de communiquer avec la famille. Quel est son état actuel? Parce qu'il a été frappé le jour d'abord de son enlèvement, mm-hmm. Il a été frappé, torturé, emballé, jeté dans le pick-up. Et notre cousin Moïse Guilavogui. Et de l'autre côté, on se demande aussi quelle est la situation géographique de notre père actuellement. Personne n'a eu aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Aujourd'hui, moi, je vais poser une question à Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il tient que l'offense du chef d'État est un délit? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, est-ce qu'il sait que le coup d'État est un acte illégal? Et surtout qu'il a aussi versé le sang des innocents à son prise du pouvoir. Mais malgré son pouvoir illégal, est-ce que les parents de ces victimes ont une fois essayé de faire payer ces crimes sur ses enfants? Est-ce que vous avez vu ça en Guinée là-bas? Non, ça c'est une belle question. Yeah, ça, il doit s'interroger sur ça. Et avant de vous appeler, j'avais commencé par ça. Son pouvoir illégal, est-ce que les parents des victimes ont une fois essayé de faire payer ces crimes sur les enfants de Mamadi Doumbouya? Ces enfants sont libres au point d'assister des luttes du quartier. C'est normal. Car ils ne sont pas responsables aux actes criminels de leur père. Donc, ils sont libres. Personne ne les atteste. Et pourtant, ils nous confisquent cet privilège. C'est-à-dire privilège que les parents des victimes de son prise de pouvoir ont accordé à sa famille, ont accordé à ses enfants. Pourquoi lui, il nous confisque cet privilège? Pourquoi nous sommes infectivés? Pourquoi nous sommes aujourd'hui malmenés? Pourquoi? Parce que nous portons un nom de famille privée. Nous sommes invectivés parce que nous portons un nom de famille privée. Pourquoi séquestrer, torturer le petit frère Koukoué et notre cousin Moïse pour l'évasion qui n'ont assisté ni de près, ni de rien? Les enfants innocents qui ne sont pas des corps habillés, qui n'ont jamais fait une formation militaire. Ils n'ont jamais fait formation militaire. Alors, les personnes qui ont injustement accusé notre père doivent être satisfaites maintenant. Oui, ils doivent être fiers. Grâce à ces personnes, notre vie est menacée aujourd'hui. Et pourtant, ils savent tous que notre père s'est battu pour la Guinée. Diminuer l'insécurité, le banditisme et autres crimes en Guinée. Comment une personne, je me pose des questions, comment une personne qui a conduit ses propres enfants devant la juridiction pour des petits malentendus, personnellement se lever, aller piller des magasins ou faire du mal à la population que lui-même fait des nuits blanches pour assurer leur protection. Une personne qui ne dort pas, une personne malgré grade colonel qu'il portait, qui se réveillait à 23 heures pour aller affronter des grands bandits. Et pourtant, il avait des subordonnés qui ont des grades adjudants, des grades sergents, des grades sergentiers, des grades caporal, qui pouvaient faire ses missions. Mais tellement il aimait son pays, tellement il aimait la tenue qu'il portait, tellement qu'il respectait la population guinéenne, tellement qu'il voulait la protection du pays, il se levait pour aller faire face à les criminels, pour assurer leur protection. Pour cette raison, je dis que les vrais protagonistes. Allô? Oui, je ne vais pas vous couper. Je ne vais pas vous couper la parole, mais j'ai quelques questions à vous poser là. Est-ce depuis l'arrestation de votre frère, vous avez fait des démarches auprès des avocats pour pouvoir les faire sortir de prison? Nous avons contacté
faut pas comme ça. Aujourd'hui même, je contactais 3 personnes. 4e ne m'a pas répondu. Des avocats. On avait contacté la première personne. Dès que nous avons commencé à parler le sujet, la personne dit que sa main est très courte à prendre ce dossier. Il ne peut pas faire face à Mamadi Doumbia. Il ne peut pas faire face à Amara. Il m'a dit clairement que le dossier de mon petit frère, c'est-à-dire tout dossier où il y a le nom privé dessus, que lui, il ne peut pas prendre. Car le dossier en question n'est pas au niveau de la justice, mais au niveau de Mamadi Doumbia et son ami Amara. Donc aujourd'hui, là où l'enfant est, mon petit frère et son cousin, nous ne sommes pas en contact avec eux. On ne communique pas avec eux. Une personne qui a été frappée jusqu'à y saigner. On le prend, on le met dans un sachet comme si c'était marchandise pour le mettre dans voiture pour partir avec lui. Et si cette personne vous refuse aussi qu'il communique avec sa famille, vous le confisquez, ses téléphones. Et puis maintenant, il n'a pas de possibilité de voir ses parents. Les visites sont interdites pour lui. S'il mange, il ne mange pas, on ne sait pas. Il vit pas, on ne peut même pas savoir. Parce que pour savoir comment quelqu'un se porte, il faut d'abord être en contact avec cette personne. Avec cette personne. Et aujourd'hui, il est malade là-bas. On ne sait pas comment faire. Comment être en contact avec lui? Il est parti là-bas enseignant. Il est parti là-bas étant frappé. Il est parti là-bas étant séquestré. Étant attaché. Donc, qu'est-ce qui arrive exactement? Qu'est-ce qui arrive là où il est? Donc, on ne sait pas. Pardon, je ne vous coupe pas la parole. Aucun membre de la famille ne lui rend visite où il est. Non, on ne peut même pas accepter. On ne peut même pas accepter n'importe quelle personne. Vous avez une idée de l'endroit où il se trouve? Il se trouve au camp des forces spéciales à la rentrée du palais là-bas. Oh, okay. C'est ça on nous a dit. Maintenant, côté de notre père, comment une personne qui a conduit ses propres enfants devant la juridiction pour des petits malentendus peut personnellement se lever, aller piller des magasins ou faire du mal aux gens? Pour cette raison, je dis que les vrais protagonistes, c'est-à-dire les vrais témoins du procès du 28 septembre, les vrais protagonistes du 28 septembre sont d'abord... Excuse-moi, on ne va pas rentrer dans ce procès, tu sais, déjà... le procès est en cours. Moi, je ne vais pas me créer des problèmes. On ne va pas faire de détails sur ça. Et parlons de Koï Koï et puis de son neveu. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Voilà, nous n'allons pas faire le procès de qui que ce soit ici. Parlons et quel appel vous lancez, quel message vous lancez pour votre... Nous savions tous qu'ils sont innocents, ce ne sont pas des soldats, des hommes en uniforme. Ils ont été injustement arrêtés. S'ils doivent arrêter quelqu'un, c'est le nom de Vernis qui est cité. Ils n'ont qu'à aller chercher Vernis. D'ailleurs, ils ont lancé des cas. Ils ont même mis de l'argent pour la tête de Vernis. Donc, défendons la cause de ces deux-là. Moi, je veux qu'on reste dans ce cadre. Et voilà. Et si toutes les bonnes personnes, les droits de l'homme, tout est, chacun peut... Les enfants sont aujourd'hui séquestrés à cause de lui. C'est pour cela que j'ai dû parler un peu. Non, je vous comprends. Aujourd'hui, le message que je vais lancer à Mamadi, c'est de nous aider à libérer ces deux enfants. Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas présents, ils n'ont pas participé ou assisté de près ou de loin l'événement qui s'est passé à la maison centrale. Donc, qu'ils fassent tout possible pour pouvoir libérer les enfants. Ou bien qu'ils nous disent exactement, les enfants sont détenus pourquoi? Ils sont détenus pourquoi? Ils ont commis quel crime? Qu'ils n'ont pas savoir ça. Je crois que les services secrets de Mamadi, vous suivez nos lives. Voilà. Ça, c'est le cri de cœur de l'une des filles de Grand Co. Ses petits frères aujourd'hui n'ont rien à voir
dans ce qui s'est passé. Ce qu'on vous demande, c'est de dire à Mamadi, ce sont des innocents. Ils n'ont rien à voir. Tout le monde est témoin de ça. Moi, c'est la même question que j'ai posée. Est-ce que demain, si on arrivait à renverser Mamadi Doumbouya, ce qui veut dire que tous ces enfants-là, on doit les arrêter, sa femme, sa famille, sa maman, ses soeurs, c'est ça la question. Est-ce que si demain, on arrêtait ces gens-là, on allait dire quoi? On allait dire que ce sont des... Les gens vont dire que c'est des innocents qu'on a arrêtés. Donc, la fille de Granco vous demande pardon de libérer ses petits frères. Voilà. Donc, je vais vous laisser voilà, le temps de dire vos derniers mots pour continuer le live. Ok. Donc, mon dernier mot, c'est ça, je viens déjà de dire. Notre préoccupation actuellement, c'est la libération de mon petit frère, Kwekwe Pivi, et de mon cousin, Moïse Guilavogui. Parce que les deux sont des innocents. Ils n'ont rien à voir dans tout ce qui se passe. Ce ne sont pas des corps habillés. Donc, leur libération actuellement, c'est notre préoccupation. Que Mamadi Doumbouya et son gouvernement fassent tout leur possible, nous fassent cette faveur pour libérer ces deux enfants. Parce que Koko et que je vous parle, il est né grandir, même les vacances, ce n'est pas facile. Okay. Ce sont les enfants. Ils sont nés, grandir à la maison, partir à l'école, se retourner, partir au sport, se retourner. C'est-à-dire il n'est pas habitué à être restreint, à être enfermé, ni rien. Il a toujours été libre depuis à sa naissance. Maintenant, me voir séquestré, frappé, enfermé dans un coin, je me demande actuellement quel est son état actuel, son état physique et moral. Donc, c'est la question-là que je me pose aujourd'hui. Donc, que Mamadi Doumbouya arrive à libérer les enfants. Sa fille, ses enfants sont libres. Elles assistent même des cérémonies. Personne ne les arrête, personne ne les maltraite, personne ne les agresse. Et pourtant, lui aussi, il a commis des crimes. J'ai une question. Allô? Oui, pour ne pas vous couper, ils ont posé une question à savoir, est-ce que le jour de leur arrestation, c'était seulement les deux qui ont été arrêtés? C'était les cinq, mais les trois autres étaient des simples gardiens. Ce n'était pas ils faisaient pas partie de la famille, en fait. C'est les deux personnes qui font partie de la famille, mon petit frère et Georges, notre cousin. Sur les trois autres qui étaient là-bas, ils les ont libérés. Oui, on les a libérés parce que eux-mêmes, ils font pas partie de la famille. Vu qu'ils font pas partie de la famille, ils n'ont aucun lien, ils n'ont même pas le numéro du vieux dans leur téléphone, c'est pour cette raison qu'on les a libérés. Ok. Là. On les a libérés, oui, à cause de ça. Vous avez entendu, donc les trois autres, voilà, soit ils étaient dans la famille, mais des gardiens n'étaient pas directement liés à la famille, donc... Il y a une même là qui n'est pas... Qui était venue ce jour rendre visite à mon petit frère là, le jour de leur arrestation. Elle aussi, elle est partie faire jusqu'à une semaine en prison. Mais elle a été libérée après. Oui, elle a été libérée parce qu'ils ont vérifié. Elle connaît même pas notre famille. Moi-même qui est là, personnellement, je la connais même pas. C'est quand on m'a dit que oui, il y avait cette fille qui était venue jouer avec les enfants là. Ok. Donc, je crois que je vais pas trop vous fatiguer. Je vous dis merci d'avoir accepté parce que quand on parle d'un sujet, il n'y a pas de preuves de témoins. Certains vont dire de quoi vous vous mêlez. Donc, c'est le cri de cœur de la grande sœur de ces deux jeunes arrêtés, son cousin et son petit frère. Koui Koui. Voilà. Nous savons tous que ces deux sont innocents. Elle n'est pas venue ici pour parler de Vermi ni de son père. Elle ne demande que la libération de ses petits frères. Donc, je crois que le CNRD, vous allez entendre le cri de cœur de l'une des filles de Granco, voilà, qui n'est pas en Guinée, qui est hors de la Guinée. Je ne vous dirai pas elle est où, je ne dirai pas son nom, mais elle est venue, vous l'avez entendu. Donc, merci ma soeur d'être passée. Voilà, et merci. Nous allons continuer à dénoncer. Je vais dire aussi à Benito de
parler aussi de ce sujet. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Il n'y a pas de problème. Merci, donc. Voilà. Donc, la famille, vous avez écouté, c'est l'une des filles de Granco. Voilà, j'ai voulu que le débat soit uniquement sur ses frères. Nous savions tous que ces deux jeunes, voilà, l'autre qui est là, Koi Koi qui est là, qui a été arrêté depuis l'attaque de la maison centrale. On entend beaucoup de mots, mais moi, je ne vais pas venir dire ici, ah, j'ai entendu ceci, cela, non. Ce qu'on demande à ces gens, c'est de les libérer, c'est des innocents. Même quand, en les voyant, ce ne sont que des gamins, des jeunes, de rien du tout. Voilà, ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des militaires, ils n'ont pas participé. On a tous vu les images de l'attaque, ils n'ont pas participé, ils étaient couchés tranquillement à la maison. Si ces gens se reprochaient de quelque chose, ils n'allaient pas rester à la maison couchés. Donc, nous demandons à Mamadi et ses amis Amara de libérer ces innocents. Ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Si vous faites du bien aujourd'hui, vous allez récolter le bien demain. Vous faites le mal aux enfants d'autrui, les gens feront du mal à vos enfants. On dira, ah, on vous a vu ici, vous avez arrêté les enfants de Claude Pivi qui n'avaient rien à voir. Demain, quand on va arrêter la femme de Amara, c'est pourquoi vous envoyez vos enfants. Parce que vous saviez, ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parce que vous savez, le jour que ça va péter, vos familles vont souffrir. Aujourd'hui, Amara a ses enfants au Canada. Bala a sa femme et ses enfants en France. Idi Amin, Doumbouya, ses enfants, ils font des va-et-vient. Voilà, tous ces directeurs aujourd'hui, des colonels aujourd'hui, ils ont des maisons à l'étranger, ils ont leurs enfants à l'étranger. Même Bis a ses enfants ici aux États-Unis, comme dans d'autres pays. Donc c'est pour vous dire que tous ces officiers supérieurs ont envoyé leurs enfants. Ils savent que le jour qu'il y aura le changement, leurs familles vont souffrir. Donc on vous demande de libérer ces jeunes, ces innocents qui n'ont rien à voir avec l'attaque. Qui n'ont rien à voir avec l'attaque. Vous qui nous parlez de la justice. Et la justice sera la boussole. Mamadi, vous avez fait le coup d'État. Est-ce que demain, parce que vous avez fait le coup d'État, on doit s'attaquer à vos enfants? Est-ce que demain, là, si on doit arrêter Mamadi, on doit arrêter ses enfants? C'est la question qu'on doit se poser. Verni était dans l'armée. Verni était ami avec vous. Voilà. Le colonel Claude Pivi, il était dans l'armée. Vous le connaissez. Donc, est-ce que ce sont ses enfants-là, c'est les deux-là, qui ont été à la maison centrale les libérer? Non. Donc, pardonner, libérer ces innocents, franchement, et sa sœur, elle est forte ici. Sinon, quand elle vous parle, elle n'a pas la force de parler. Donc, on vous demande franchement de libérer ces innocents. Donc, merci. La vidéo, c'était uniquement pour demander au CNRD de libérer les enfants de Claude Pivé qui n'ont rien à voir dans l'attaque de la maison centrale. Bon, à plus, je reviendrai pour d'autres lives. Nous allons parler aujourd'hui des sociétés d'assurance. On ferme des entreprises en Guinée aujourd'hui. D'autres trouvent ça normal. On ferme des emplois. On ne crée rien du tout depuis l'arrivée. Et quand on parle que non, et ces entreprises, c'est rentré, c'est sorti. Mais je me demande, c'est quoi le problème du Guinée? Qu'est-ce que vous voulez pour cette transition? Ça nous fait près de 3 ans maintenant. Où est le changement? On est en train de tout fermer. On est en train de tout fermer. Simandou, le projet Simandou, avec 11 700 travailleurs, ils ont mis tous ces gens-là au chômage. Combien de PME? Combien d'entreprises aujourd'hui bloquées? Combien de sociétés en faillite? De médias? Et après, vous nous dites que ça va. Qu'est-ce qui va dans le pays?